Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je crash teste la collection Martine Cosmétique. Donc c'est mon mari qui me l'avait offert pour nos 5 ans de mariage cette année. Donc début août, ça fait 5 ans qu'on est mariés, début août. Donc il m'avait acheté la collection, quoi la collection, la palette surtout. Il m'avait acheté la palette, du coup. Je vous avais fait un haul et le eyeliner. Donc, on va tester les deux produits de la collection Martine Cosmétique. Et du coup, j'ai profité de prendre quand même aussi d'autres produits Martine Cosmétique que j'avais déjà acheté il y a en fin d'année, je crois. Fin d'année dernière. Les blushs et highlighters de Martine Cosmétique. Donc, je pense que ça sera un... On va dire 80% Martine Cosmétique et le reste, voilà, le fond de teint, le rouge à lèvres, le mascara, le crayon et tout, c'est pas Martine Cosmétique, mais on va dire c'est une grosse partie quand même Martine Cosmétique. Donc si vous voulez voir cette vidéo, bah, c'est parti. Donc je vais vous montrer les produits tout de suite, comme ça, ça sera fait. Pour le mascara, j'ai pris un mascara Yves Saint Laurent parce que j'adore celui-ci, franchement je l'aime beaucoup, donc j'ai pris celui-ci. Pour le concealer, j'ai pris celui-ci, voilà, on voit plus trop la marque mais j'aime beaucoup cette petite marque là, c'était Typologie je crois, je ne sais plus trop, c'est mon abonné qui me l'avait offert. Crayon noir Yves Rocher, crayon à sourcils Action, rouge à lèvres W7, et puis le reste c'est Martine Cosmétique. Donc voilà, tout d'abord je vais commencer à faire mon teint, mes sourcils hors caméra, et puis après on se retrouvera surtout pour tester la palette et on fera en dernier tout ce qui est blush et highlighter en fin de vidéo. Et puis voilà, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. Et on va regarder cette magnifique boutte. Et déjà le packaging, regardez-moi ça. Il est magnifique, vraiment magnifique. Le derrière, il est simple. Un peu pareil, mais le devant est quand même plus... Waouh. Hop là, si je la fais tomber. Il y a un miroir du coup. Et voilà les teintes. Vraiment magnifique. Franchement, trop joli. Donc je vais vous faire les swatchs de la palette et puis après je vais voir ce que je décide, mais j'ai envie de me servir de celle-ci parce que regardez-moi celle-là, ce fard-là, il me donne envie. Du violet, j'adore le violet et le vert aussi. On m'a dit dans ma dernière vidéo Crash Test Makeup Action, oh, encore du vert. Oui, encore du vert, j'adore le vert, donc si ça vous plaît pas, bah, regardez pas mes Crash Test Makeup. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, si j'ai envie de choisir du vert, du orange, du bleu ou quoi, je mets souvent du vert ou du violet, mais c'est mes teintes, je les aime bien, donc voilà. Commentaire pas utile. Là, ça sera pas du vert, ça sera du violet. Ouais, le violet me donne fort envie, je vais le swatcher lui. Je l'ai pas swatché, hein. Je vais regarder. Ouais. Oui, oui, oui. Il est trop beau. Avec ça, je pourrais mettre lui. Ou lui. Ces trois teintes me donnent envie. Donc, j'ai pris celui-ci, celui-ci et celui-ci. Le mascara, le eyeliner. Je vais juste voir. Il est comme ça. Pff, trop beau. Donc, du coup, je vais choisir. Je vais faire... J'ai très envie de choisir le violet. Hein. Je vais choisir le violet et le argenté, là, que vous voyez. Je vais faire ça parce que j'ai très, très envie de
à l'utiliser quoi. Donc je vais prendre le violet qui est magnifique. Je sais pas si je le mets là et l'autre là, mais je crois que je vais faire ça. Oh là 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 là. Il est tellement beau. Et le irisé, quoi, le gris métallique. Hop, il est tellement pigmenté que au doigt, c'est clairement suffisant. Oh là là là. Je vais me mettre après la lumière du jour. Devant ma fenêtre, vous allez bien voir. Mais vraiment, c'est trop trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais quand même nettoyer en dessous. J'ai mis de l'anti-cerne pour rien. Mais c'est pas grave. Du coup, je fais l'autre œil. Donc voilà pour mes yeux. Et je me suis dit, tout à l'heure, pourquoi pas mettre dans le creux le petit verre. Donc je prends le petit verre. Je vais prendre au pinceau pour voir qu'est-ce que ça donne. Et le mettre là. Hop. Regardez-le, vous voyez. Hop. Vache, c'est vraiment bien pigmenté. Hein. Hop. Nettoyer en dessous quand même. Du coup, je vais mettre mon crayon noir, mon mascara. Et je reviens pour mettre l'eyeliner. Bon, j'ai commencé à mettre mon eyeliner. Donc, je vais quand même vous montrer de ce côté quand même avant de mettre le mascara, parce que c'est plus facile quand même mettre l'eyeliner avant et après le mascara. Franchement, il est super bien. Je vais quand même le secouer et c'est parti. Donc j'attends que ça sèche un peu. Je me remets un peu, je vais me mettre du mascara. Je vais attendre que ça sèche et puis voilà, je vais venir vous revoir. Mais j'avoue que je suis pas habituée à me voir avec du eyeliner violet comme ça. Donc voilà, autrement je le trouve vraiment pas mal. Et voilà pour le make-up. Du coup, je vais faire le teint avec vous. Les petites palettes Martine Cosmetics, ils sont où? Elles sont là. Donc on va commencer par la palette blush, comme ça. Hop. Qui est très jolie. Regardez-moi celui-ci, comment il pète. Mais là, je vais prendre un... Je vais prendre un plus foncé, on va dire. Je vais prendre lui, quand même, parce que je suis déjà fort maquillée. Donc... c'est parti et c'est très pigmenté. À peine le pinceau, je vous dis, c'est très très pigmenté. Mettre un tout petit peu celui-là quand même. J'ai envie de, je l'ai jamais testé et j'ai envie quand même de. Excusez-moi, je fais des grimaces quand je me maquille. Je fais... On a des tics quand on se maquille. C'est vrai que... Il est très très beau ce blush. Ensuite, je vais toujours retrouver la palette blush sur le site Martine Cosmetics ou sur Beauty Bay, je pense. Mais sur Martine Cosmetics, c'est sûr. Moi, je l'avais acheté l'année dernière en période de Black Friday. Ça valait vachement le coup. Je crois que je l'avais eu pour 20 euros et je crois qu'elle coûte 39 euros sur le site actuellement.
Donc voilà, pour le palette d'highlighter, je vous la montre. Elle est comme ça et j'aime beaucoup la palette. Et on va prendre du blanc. Petit pinceau, on va prendre ce blanc là. Et c'est parti, je vous montre. On va peut-être un peu, hein. Ah bah c'est du Martine Cosmétique, hein. Je vous le dis. C'est très bien pigmenté. Sur le nez. Franchement, c'est produit pour les yeux, produit pour le teint. L'eyeliner noir, franchement, je l'aime beaucoup. L'eyeliner, bah, du coup, là que j'ai, il est trop beau. Les rouges à lèvres, ah oui, j'aurais dû prendre un rouge à lèvres Martine Cosmétique, oh, c'est pas grave. Les rouges à lèvres gloss, franchement, ils sont trop bien. Les produits Martine Cosmétique, ils sont peut-être un petit peu plus chers, certes, mais après, c'est de la qualité. Donc voilà, en plus, ces produits, je vous ai pas dit, mais c'est vegan. Franchement, on aurait fait des très très bons produits. Si je ne me trompe pas, elle fait ses produits en Italie. Donc vraiment rien à dire. Est-ce que c'est dit ouais, ils sont tous vegan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très joli. Et je vais essayer de vous montrer de plus près. Vraiment. Regardez cet highlighter. Ces jolis fards. Vraiment très très joli, franchement il est très très joli, donc voilà, c'est de la bombe. De toute façon, toutes les palettes Martine Cosmétique, je vous conseille, c'est de la bombe atomique, c'est des belles teintes, franchement je vous montre, c'est des super belles teintes, vraiment canon 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 canon. Franchement, je suis ravie du test make-up de la palette Martine Cosmétique. Je vous remonte de plus près. Mais vraiment, même l'eyeliner, moi qui n'ai pas habitué. Bah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, ça change. J'avoue, j'en mettrai pas dans tous mes make-up, mais ça change du noir. Donc voilà pour ce make-up. J'espère ce crash test make-up Martine Cosmétique vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça me fait plaisir et ça encourage à monter la chaîne. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-moi vous si vous avez déjà testé la marque Martine Cosmétique. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, bisous, bye bye.